bien, c'est parti pour 20 minutes. 20 minutes de démonstration qui se finira en deux parties. La première, le mouvement, qui tient son nom des traînées laissées dans le ciel par des fumigènes de 8 à 7, qui évolue en formation serrée. Oui, Stéphane, tous ces pilotes à bord des Alpha Jets sont issus des formations de combat de l'armée d'air, comme l'a rappelé Didier tout à l'heure. Ce sont des pilotes de chasse qui forment cette précieuse plateau. Ils ont forgé leur expérience sur les théâtres d'opérations extérieures, au chat, sur la Libye pour certains, moins sur la patrouille de France, mais le pilote Rafale, que vous avez vu évoluer tout à l'heure, lui qui était lors des premières missions. Et bien sûr, il est important de souligner que nous sommes là pour représenter nos camarades. Mais les voilà, ils sont bientôt en formation diamant. Ils vont revenir sur la droite pour lancer cette série de 11. Les machines qui arrivent sur notre droite, penche, une matière à la douleur. Dites-moi, mesdames et messieurs, la patrouille de France se lance. Ils évoluent à 2-3 mètres les uns des autres à environ 600 km/h. La concentration est extrême et la capacité mobilisée à 100%. Ce premier changement de formation aux ordres du leader que vous venez d'entendre, les équipiers vont se désécuter en arrière du chariot pour former le bon ordre. Oui, c'est Cédric Cranchon qui commence la bataille de France cette année, originaire de Digne, en Provence. Il a piloté le Mirage 2000 sur la Valérienne de Cambrai et totalise aujourd'hui plus de 2200 heures de vol. Il dirige maintenant la patrouille pour la perte, c'est-à-dire au centre, sur l'horizon, pour revenir tracé dans le ciel, toujours en formation, tout comme une feuille de trèfle suivie d'une boucle en très grande flèche, particulièrement pour ses équipiers. Observez bien maintenant les deux solos qui n'ont que quelques secondes pour changer de position et se placer de part et de la formation en très grande flèche. Très dynamique, le ruban 2011 se caractérise par l'enchaînement très rythmé de nombreux changements de formation à l'image de la séquence qui va suivre. C'est un travail particulièrement technique et que je voulais apprécier en compagnie des voix du leader et de son charognard. Le charbonnier annonce au leader qu'il est en place. Cadence, cela veut dire qu'il doit tirer son virage. Cette annonce va permettre à ses équipiers d'anticiper la manœuvre et de maintenir ainsi une position et une formation parfaite. Il y a maintenant une correction très rythmée sur le TTCG, tour de droite, tour de gauche, qui va beaucoup de dynamique et de difficulté technique. Pour cette combinaison enchaînée successivement, la boucle tourne et le renverse. Le charronnière, c'est le commandant Gauthier de Watt, originaire d'Amiens. Il est lui aussi passé par la base aérienne de Cambrai sur Mirage de Lille avant de rejoindre l'état-major de l'armée de l'air. On va apprécier l'intensité du spectacle. Observez bien maintenant l'œil du charronnière qui ferme ce levant. Alors notez-vous que ça se motive à se confiner entre ses équipiers, tandis que les extérieurs vont se laisser reculer pour former le canard.
inférieur droit, c'est le capitaine Guillaume Smith. Lui aussi est passé par Cambrai avant de rejoindre l'école d'aviation de chasse de Tours comme instructeur sur un Fajet. Il a 30 ans et déjà 1800 heures de vol. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la patrouille de France 2011. Et ils vont maintenant continuer de plus belle avec ce grand tour de droite, précéder le nouveau de changement de formation et repasser en diamant. Oh, course du leader, c'est le capitaine Philippe Castagnier qui occupe le poste inférieur gauche. Originaire d'Angoulême, il était instructeur sur Mirage F1 sur la base de Colmar et instructeur sur un Fajet à Tours. Les pas de véhicule extérieur qui repassent bientôt en formation de canard avant d'aller à Tours. C'est avec une petite palette placée derrière le ventre qui sélectionne la ligne blanche sous la couleur, comme l'indique le leader. Et la patrouille adopte maintenant la formation diamant moyen relax. C'est dans cette formation légèrement desserrée qu'ils vont réaliser les pilotes simultanés. Une fois la patrouille stabilisée sur l'axe, chaque pilote va faire un tour sur lui-même aux ordres du leader que je vous propose d'écouter. Allez, le travail. C'est une base très technique en particulier pour garantir la solidarité et le dynamisme. Rendre du trim, eh bien c'est l'inverse du cadence de tout à l'heure. Le leader va réduire la pression qu'il applique aux manches et prévient ainsi ses équipiers qui va pouvoir de nouveau anticiper la manœuvre. Ils sont au fond et la patrouille va maintenant adopter une nouvelle formation de secours à 2011 aux ordres du leader, la grande flèche. Le 6-2-7, c'est la vitesse, 260, 272, soit plus de 500 km/h. Et toujours avec beaucoup de dynamisme, et bien observez bien les solos. Mais c'est magnifique, écoutez avec quelle sérénité de l'heure pour lui, ça va tout dans ce grand droit. Dégauchir, eh bien, cela veut dire remettre les ailes à plat et voler enfin en ligne droite. Et oui, Stéphane, mais voilà que nous arrivons déjà bientôt à la fin de la première partie de cette démonstration dite du ruban. Elle va se conclure de manière magistrale par une très spectaculaire gonfle. Figure que la patrie de France a une nouvelle fois décidé de choisir cette année pour exécuter son déclassement intermédiaire. Rendez-vous compte de la difficulté pour le leader qui doit amener
puis vitamine par un très à droite, la haute au pied de tête, afin d'éclater tous à tous les huit avions, ça va plus mieux. Eh bien, je vous laisse écouter. Ça s'appelle ? Préparez vos appareils de secours. Ça t'arrive aux appareils couteaux, donc c'est plutôt explosif. Du rythme maintenant pour la synchro de l'Union Mondiale. La formation va se séparer pour exécuter des figures sensationnelles à 2, 4 ou 6 avions, emmenés alternativement par le leader et par le leader solo. Et oui, c'est ça, et cette partie s'appelle la synchro carifou pour les trajectoires des différents groupes d'avions.